Alors, qu'est-ce que c'est ici? Même mon chapeau a retrouvé sa taille normale! C'est grâce au docteur Todini! Il est formidable! Le docteur veut vous revoir la semaine prochaine pour une visite de contrôle. Et à la semaine prochaine alors. Bien, au suivant! Tiens, Mario et Luigi! Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Le docteur ne fait que des consultations individuelles. Veuillez entrer chacun votre tour. C'est bon, on veut pas y aller, nous. Comment? Vous voulez lui parler à tous les deux? C'est ennuyeux. Il aurait fallu prendre rendez-vous pour ça. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air malade, Mario. Votre moustache est brillante et soyeuse. Et vous, Luigi, vous sautez avec entrain. Oh, Mario, je suis empoisonnée. Oh non! Ne me dites pas que vous avez les premiers symptômes de la rouliboulite! Vas-y, Luigi. Regardez, c'est l'acteur Luigi. Oh non! Vous aussi, Luigi! C'est terrible! Si vous attrapez la rouliboulite tous les deux, le royaume champignon est perdu! Entrez vite dans le cabinet du docteur par ici, je vous prie! Quel acteur, Luigi? Quel acteur? Minuit, elle fait des roulades là, elle est contente. Docteur, vos prochains patients sont arrivés. Docteur? C'est très grave. Ces deux patients souffrent d'une maladie gravissime. Il faut vite éradiquer le virus qui les a infectés ou non, je ne réponds plus de rien. Silence! Virus dont vous souffrez, je le vois de plus en plus clairement. Vous mentez! C'est comme ça que le docteur diagnostique de quelle maladie souffrent les patients. Regardez bien. Ah, le voilà, il apparaît. Oui, il est apparu. Le terrible virus qui vous ronge. La Bowserite aiguë? La Bowserite aiguë. J'ai aussi mon diplôme toi, en médecine. Tu es pas mal en termes de comment ça s'appelle en boule de cristal, t'es bien. On va appeler. Oh, regardez, une grosse main. Regardez, il est apparu. C'est bien le virus dont vous souffrez. Il semble dévastateur pour le corps et l'esprit. T'es qui, toi, d'abord? Ce virus est très très mauvais. Ça vous prend... va vous prendre du temps pour guérir. Je vais vous prescrire un petit traitement pour 10 jours. On va prendre 3 fois par jour après les repas. Ah bon, bah... Hé, hey, Mario et toi, l'autre moustachu en vert, là, j'oublie ton nom. Vous aussi, vous cherchez l'astro noir? Oui. Vous voulez retrouver la princesse Peach? Oui. Mais c'est moi qui mettrai la main dessus avant vous. Hors de mon chemin, le petit nain. Ah bon, voilà, ouais. Très bien. Je m'attendais pas. On reste quand même dans un jeu Mario. Hein. Je m'attendais pas à ce que mon boss soit Bowser. On va commencer par une super attaque frère dont il nous dira les nouvelles. Voici le tonneau de Mario. Excellent. Oh non, il fait l'attaque! Ouah, mais c'est chaud! Mais Mario, faut arrêter de toutes les prendre, là! Maintenant, c'est fini pour Mario. On va mourir! Bon, c'est bien. Bowser a attaqué. Je vais admettre que du coup, je joue deux fois! N'est ouais, pas si rapide, normalement, Bowser. Ouais, normalement, ouais. Bon, j'hésite à me soigner parce que Bowser... Ils avouent qu'il rigole pas. Hein, Bowser, il a faim. On l'a un peu trop entraîné. Oh, il m'a bien eu!
Le gars, il a fait semblant, là. Oui. Attends, j'ai une idée. Peut-être que c'est Luigi qui devrait soigner Mario, parce que Mario, ses attaques coûtent moins cher. Ouais, j'avoue. Oh, j'ai raté! Je pensais que cette attaque, elle était irratable. Inratable. Allez, c'est pas grave. Je me suis déconcentré. Alors, Mario, tu meurs? Pas très très bien. C'était un champi one-up. Tiens! On va être un petit peu plus... Ah mince, on a que des super noisettes! Ouais, ça met Luigi quasiment fou. Bah, c'est Mario qui est super... Enfin, c'est plutôt ce qui m'embête, c'est pour Mario, en fait. Il fait à chaque fois ce coup. Je crois que c'est quand il souffle du nez en fait. Ah, il souffle du nez. Est-ce que le baril il est si fort? Ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y, baril. Et confiance en le baril. Oh, ouais, bah. Ça va aller. Là, il s'est bien mis, genre. Je vais oublier. Je me compte que notre Luigi est plus fort que notre Mario. Oh mince, c'est triste ce que tu dis. Voilà, la prochaine attaque sera exceptionnelle. Vous êtes vraiment coriace, je vais vous réduire en cendres. J'ai un mauvais pressentiment. Mario, Luigi, sautez pour vous accrocher à moi. Une fois que vous serez accroché, maintenant enfoncez vos boutons respectifs. Faites attention, si vous lâchez votre bouton, vous tombez. C'est bon? Vous avez compris? Oui. Voilà, on est bien. On va rester là pour toujours maintenant. Ça va, il attend poliment, Bowser. Oh non. Oh purée, il en fait plein. Oh non, Mario va s'en prendre un. Oh non, les deux. Ah, Luigi, il est mort déjà, hein. Oh bah c'est bon, Bowser a gagné. Ah, elle est dévastatrice cette attaque. Oui, il est trop fort le docteur Todini. Bah en fait c'est ce qu'il voit dans l'avenir le gars finalement. Ou alors c'est le reflet dans la boule de cristal du Bowser qui est derrière. Ah peut-être simplement, ouais ouais. Je me rends compte que pour que le remake est plus simple que l'original. Bah en fait c'était le cas déjà dans le Mario et Luigi Superstar Saga apparemment. Bon on l'a pas fait mais... En plus, je crois qu'ils ont même mis un mode facile pour c'est au cas où t'es pas sûr. Pour Mario et Luigi. Le premier, tout du moins. Lui, je ne sais pas, parce que bah, du coup... Ah ouais, d'accord, ça commence direct, là. Que j'ai rien compris. Je me disais que je les avais bien vus et tout, et bah pas du tout. J'ai pas envie de prendre de risques, mais d'un côté c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Bah, en vérité, les Goombas tu les vois après. Hein. Oui, je sais. Ok. De la chance. J'aimerais trop à nouveau sur la Switch. Ah bah désolé.
La société qui les faisait n'existe plus. À part rien d'empêche qu'il les réengage. En fait, ouais, non, tant pis. Je veux dire, à un moment donné, faudrait que je bois des sirops, en fait. Ah, c'est vrai que les attaques consomment vraiment énormément. Hein. Allez, salut, Bowser. Ouais. Parce que là, il n'est pas encore dans sa phase finale méchante. Donc peut-être je devrais en profiter pour boire quelques sirops. Bah vas-y, hein. J'avoue que tu peux. Bon. Ben, let's go, hein. Surpuissant. Oh mince. Mince. J'ai complètement raté. C'était comme si j'avais fait une attaque baril normale. Ouais, mais elle coûte moins cher. Donc, en paix. Ah, je vois, je vois. Voilà la terrible attaque des Goombas. Wow! Bowser, arrête-toi! Jamais. Si ça peut vous battre, moi je suis là. J'ai cru que c'était fini, en fait, non, il en restait. J'ai failli rater cette attaque parce que j'étais en train de me dire, ouais, là, je vais faire ça. Je pensais. On va se faire du soin. Ah, mais t'avais pas encore mangé la super nana, je crois que tu avais déjà mangé. Bah si, j'en ai déjà mangé une. Ah, on en avait plusieurs. Oui. Ok, ok. Ouais, allez. Là, on n'a pas eu les mascasses encore, donc. Ok, bon bah. J'ai appuyé trop tôt. Elle est terrible, la tête des mascasses, parce que. En fait, elle te one-shot, quoi qu'il advienne. En vérité, ça me dérange pas trop qu'elle me one-shot, parce que je trouve que c'est moins pénible à gérer, et puis ça va plus vite. Ah mince, on en est déjà là. Bon. Bah. Mangeons un sirop alors. 10, peut-être 20. Hein. On va dire, je sais pas si 20 c'était nécessaire. Parce que je me disais peut-être que là il est sur la fin, je pense. Ouais, je pense aussi. Ah, j'ai perdu mon compte. Bon.
Oh, bien joué. Finalement... Ah bah il est battu. Finalement, sur des contres. Ah là là, quel talent, bravo. J'ai 1000 points d'XP, quoi. Le gars, il a donné... Ah, des chaussures carapace. Allez, Mario, là, faut plus d'attaque. On n'est pas assez fort. Ou alors de moustache. Parce que là, on est à... Il a un 4, hein, lui. Il a un 4. Et... Ah ouais. Ah ouais, il a rien, moustache, par contre. Attends. Est-ce que si j'appuie assez vite, je frame 1, je peux avoir le 4? Il est dans les premières frames. C'est le premier. Ouais, je pense pas. Merci beaucoup, Kiluma, pour l'abonnement offert. Merci beaucoup. Bon. Non. Je suis sûr qu'à chaque fois, il est juste au-dessus. Ouais, je me demandais si on allait gagner 2 niveaux, même pas. Ah ouais, 1, 3. 1, 4. Alors vraiment, on va être que en moustache. En vrai, il fait des coups critiques, c'est trop bien. Hein. Il fait souvent des coups critiques, Luigi Mineur. Voilà. Oh ouais, bien joué, bien joué. Luigi, il va être notre spécial coup critiqueur. Oh, j'ai pas encore retrouvé toutes mes forces. Ça veut dire. Oui, bah oui, c'est pas lui qui est fort, hein. C'est pas Bowser. C'est bah Goomba. Oui, c'est les Goombas. Les Goombas sont le plus fort. Voilà, c'est pour ça que vous êtes venu me voir. Le royaume champignon court un grave danger. Il paraît que vous savez absolument tout sur le royaume champignon. Est-ce que vous pouvez briser l'étrange barrière qui est apparue devant le château? C'est impossible! Il est exact que je sais tout sur tout, mais même si je possède de très puissants pouvoirs magiques, briser une barrière créée par le pouvoir de l'astre noir, ça m'est totalement, absolument, parfaitement impossible. Ah, pas la peine d'être si catégorique! On ne va pas pouvoir approcher du château de Peach, et le royaume pourrait être détruit. Il est trop tôt pour perdre espoir. On ne possède pas le pouvoir de briser la barrière, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. Vraiment? Les vaccins étoiles. Les vaccins étoilés? Oui, oui, les vaccins étoilés. Les vaccins étoilés. Les trois vaccins étoilés. Les trois vaccins étoilés, gardés par les trois sages, étoilés. Les vaccins qui peuvent éliminer toute forme maléfique. Regardez, ils sont beaux. Alors il suffit de rassembler trois vaccins étoilés? Avec eux, on pourra vaincre l'astre noir. Le royaume est ravagé par cette terrible maladie, la rouliboulite. Pour guérir la rouliboulite, j'ai besoin des vaccins étoilés. Et si les trois vaccins étoilés sont réunis, la barrière noire dont vous parlez devrait disparaître. Parce que, oui, Ah, on vaccine les murs. Oui, c'est logique. J'ignore s'ils seront capables de vaincre l'astre noir, mais je vous conseille de trouver les vaccins étoilés. Ils peuvent soigner la rouliboulite, il faut vite les trouver. Et où est-ce qu'ils sont, les vaccins étoilés? Chacun des trois sages possède un vaccin étoilé. Ça, on avait compris, merci. Mais ils sont où, ces sages? Regardez, là. Eh bien, l'un d'entre eux se trouve dans une forêt. Une forêt? La forêt Poucette! Ah, la forêt Poucette, j'y vais tout de suite, là! J'ai tout entendu! Il faudra rassembler trois vaccins étoilés. Tu n'y arriveras jamais! Mario et Luigi les trouveront tous les trois! Par contre, ta voix, elle me dit quelque chose, hein? Une sale peste! J'aime pas comment tu me parles! Tu parles comme cette chippie là dans mon corps! Enfin, peu importe! Mario, l'autre moustachu en vert, ça sera au plus rapide! Je vais retrouver ces trois vaccins en premier et entrer dans le château de Peach! C'est parti! Non! Dis, à quoi ressemble le premier sage? Je vais prendre un peu de temps pour le découvrir. C'est pas grave, on n'a pas le temps, on doit aller à la forêt. Je vois, rendons-nous à la forêt Poucette. Wouhou! Attendez, le voilà. Il ressemble à ça, c'est ça un sage. Mais on l'a battu. Non. Regardez, voyez, voilà à quoi ressemble le premier sage. C'est le monstre qu'on a écrasé. Quoi, cette chenille? C'est la chenille que vous avez combattue dans le corps de Bowser? Attendez. Ah oui, je me souviens. Mais elle s'est enfuie après notre combat. Alors cette chenille est le premier sage? Mes prédictions se sont toujours avérées. Je ne veux aucun doute, cette chenille est le premier sage. Elle possède un vaccin étoilé, c'est sûr à 100%. Mais elle n'est pas dans la forêt,
cette chenille se trouve dans le corps de Bowser. Elle a été avalée par Bowser dans la forêt Foussette et se balade dans son corps depuis. Tes prédictions sont complètement fausses. Comment voulez-vous que mes prédictions tiennent compte de ce détail si tordu? À la base, cette chenille vivait dans la forêt. Ma prédiction n'est pas totalement fausse. Et puis, en plus, grâce à ça, Bowser ne pourra pas vous damer le pion. Et comment on retourne dans le corps de Bowser? C'est pas faux, on a la chance. On a de la chance, le premier est dans le corps de Bowser. Retournons dans le corps de Bowser pour que cette chenille nous donne le vaccin étoilé. Bah, il va falloir retourner dans les tuyaux. Je crois que je me suis embarqué dans une drôle d'histoire, là. Ah, je reconnais bien la Bowser. Non, Mario! Vous posez une bombe ici, Luigi, Mario. Eh ben non, pas besoin. Tiens, ce tuyau. Il ressemble à ceux qui sont dans le corps de Bowser. Décidément, on a vraiment de la chance. Quelle coïncidence. C'est comme si le game design était bien fait de la vie, quelque part. Bowser se dirige vers la forêt Foussette, mais ce qu'il ignore, c'est que le sage qui possède le vaccin étoilé est dans son corps. Bien, entrons. Mais avant d'entrer... Sauvegardons. Et maintenant... À toi de jouer. Ouais, très bien. Alors, je te passe l'outil de montage. T'as changé ou pas du tout? Non, j'ai pas changé. C'est toujours okay. Les mêmes boutons, t'inquiète. Justement, je me demandais. Bon, attends, alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas quand même? J'ai envie de checker un petit peu. Mais oui, vas-y, promène-toi au village. Au village des Toudes. Parce que bon, ça fait longtemps quand même. Ah, bah du coup, c'est ici. Et ce tuyau à gauche, on n'y a pas été. Ah. Bah si. Non? Bah en fait, là, c'est là où Bowser était. Ah. Ok, ok. Mais ok, d'accord, tout est lié. Ah, c'est pour ça qu'il est arrivé si vite au village, finalement. C'est lui qui a tout détruit, tu penses? Ah bah, oui. Je pense, hein. Il a pas été content, tu vois. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et sinon, pour répondre à Leaf Cerise, en fait, c'est pas que l'architecture est pensée pour aller dans Bowser, c'est Bowser qui a mangé des tuyaux. Donc, du coup... Voilà. L'histoire. Très beau résumé d'histoire. Comme Bowser a mangé des tuyaux, on peut aller dans Bowser prenant des tuyaux. Ah, j'avoue. Et que... bonsoir à ceux qui arrivent. J'avoue que j'hésite à faire des combats, ne serait-ce que pour gagner de l'argent. Moi, ce que je me demande, c'est s'il faut acheter des noisettes. Bah ouais, c'est vrai. Mais pour ça, il faut qu'on fasse des combats pour gagner de l'argent. Bah après ça, on pourra farmer entre deux streams, c'est pas très grave. Ouais, ça va. Regardez, là, Mario qui fait le malin. Oh mince, pardon. Ah bah, elle est devenue minuscule. Ah mais oui, c'était déjà le cas avant, en fait. Oui. Attends! Tu es le premier sage, non? Il faut qu'on te parle! Attends! Mario, Luigi, ressaisissez-vous! Rattrapez cette chenille! Wouhou! Luigi! Ressaisis-toi, Luigi! La chenille se cache ici. Enfin, heureusement qu'on sait. Dans la zone énergétique. Parce que là, j'étais en train d'hésiter. Est-ce que je vais au forum des Toads pour aller acheter des champignons? Enfin, pas des champignons, des noisettes, mais... Bah, tu peux, hein. Elle s'est enfuie. J'ai l'impression qu'on peut entrer ici. On n'a pas le choix. Attendons ici que le docteur Todini découvre où se trouve le deuxième sage. Il est impossible que Bowser trouve un vaccin étoilé avant nous. Oh, très beau éternuement, Bowser. Est-ce que quelqu'un serait en train de parler de moi, là? Oh, je trouverai le vaccin étoilé avant Mario et sa clique. Forêt Foussette, c'est par là. Voilà, tu peux rejouer avec Mario si tu veux aller te promener. Oh, bah, Papy Champi! Maître Mario, Maître Luigi! J'ai appris la nouvelle sur son Altesse! Son Altesse! Elle est enlevée par un odieux personnage! Pourquoi causer tant de soucis, un vieillard comme moi? Bonjour, est-ce que vous vendrez pas des noisettes par hasard? Ah, ouais, tu vas utiliser tout notre argent pour des noisettes! Mais non, regarde, je vais gagner une super carte de réduc. C'est toi qui l'avais fait tout à l'heure. On va faire celle-là.
Ah, et moi j'ai que des champignons. C'est mieux que moi qui ai que des gracowits. C'est vrai.